Ah, novembre, novembre! Ce mois où tu as envie de mourir. Eh bien, au RPG, nous allons te maintenir en dépression grâce à la série Loin de ce monde. Oui, toi aussi tu aimerais être loin de ce monde à cet instant. Mais ça me dit quelque chose, cette série. Eh bien, c'est normal. Loin de ce monde. Out of this world, pour les amateurs de langue shakespearienne. Est une série télé américaine diffusée dans La Une est à vous sur la première chaîne de l'ORTF en 1988. Puis sur M6 en 1994. Créée par Stephen Kuntz, cette série initialement diffusée en 1987 aux États-Unis fête cette année ses 30 ans, donc 4 saisons. 96 épisodes de 22 minutes de pur bonheur. Garantie 100% sans rire enregistré. Oh, mais arrête-moi ce massage. Et sans personne qui applaudit à la fin de l'épisode. À part être agaçant, Loin de ce monde, c'est quoi? Eh bien, c'est l'histoire formiveilleuse d'Evie, fille de Troy et Donna Garland. Passionnant, non? Le jour de son 13e anniv, Evie découvre que son père est en fait... un extraterrestre! Ouf! On a failli se faire chier! Non contente d'avoir des pulls moisis, Evie possède des pouvoirs spéciaux. Elle est capable d'arrêter le temps, quoi. À mon avis, elle est agent secret à la poste. Troy! Le père d'Evie. Suivez un peu. N'est qu'une voix dans la série. Bon, ok, en VO, c'est la voix de Burt Reynolds, mais le mec a pas de corps. Evie communique avec son petit papa E.T. grâce à un coquillage et un cristal. Ça va beaucoup mieux chez nos amis scénaristes. Qui sont, selon Wikipédia, les précurseurs du téléphone portable. Wikipédia, la première encyclopédie qui se drogue. Moi, je n'arrive pas à le transformer. Tu peux te battre. Evie, dans un cas semblable, le problème est qu'il faut que la personne veuille redevenir adulte. Sinon, ça ne peut pas marcher, regarde Jerry Lewis. Une série où vous découvrirez l'inventeur de la carte fidélité Pôle emploi. T'en virer, hein. Ouais, pour la 13e fois. Des doigts baladeurs. Regarde ce qu'il y a sur son chemisier. Quoi? C'est ça. Des regards qu'on n'oublie jamais. Du commerce équitable. Salut tout le monde, vous avez vu ma nouvelle tortue? Elle est belle. Tu l'as échangée contre quoi? Ta bagnole. Des gens qui dorment sur du verre pilé. Et des lézards qui font du porte-à-porte. Oh, hi Lindsay. Vous côtoierez le plus grand écrivain administratif de tous les temps. Est-ce que ça vous impressionnerait si je vous montrais une lettre de recommandation écrite par le président des États-Unis? Oui, sans aucun doute. Garde-le-moi au chaud, je vais chercher de quoi écrire une fausse lettre. Mais aussi de la friture qui a l'air en forme. Ainsi que des fox terriers à poils durs qui essayent de se faire passer pour des poussins. Tu crois peut-être qu'ils vont se laisser impressionner par toutes ces exagérations? Et tout de suite, l'instant Brico, l'instant Casto. Faites-vous plaisir en visionnant le dernier clip de Jennifer Lopez. Mais aussi Fred Astaire et Ginger Rogers au cabinet médical. Et découvrez en exclu la danse de l'été. Tout de suite, un message de prévention offert par l'amicale des clowns fracassés. Si tu m'offres le truc qui va suivre pour mon anime, je te fracasse la gueule à coups de pelle. La série est disponible en VO sur YouTube. Et sincèrement, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Si, si, sans deck, regardez pas. Je connais un mec qui a essayé, et ben ses yeux, ils ont fondu. Je vous souhaite une excellente dépression. Caillez-vous bien les miches. N'oubliez pas vos gants. Et à très vite pour un nouvel anniversaire de série. Ciao.